maintenant ici. Now here. Nous lisons Matthieu. Reading the book of Matthew. Dans Matthieu 25, à partir de 32. Matthew 25, from 32. Je ne vais pas lire tout. I won't read all. Parce que normalement, je devrais lire 32 à 46. Because I'm supposed to read 32 to 46. Mais vous là-bas, vous pouvez continuer. Moi, je vais m'arrêter à 40. But you guys can continue or stop at 40. Matthieu 25, 32. Matthew 25, 32. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres. Comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Amen. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Yeah. Amen. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite. Venez, vous qui auront, venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Amen. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Amen. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Amen. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. Yes. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. Amen. J'étais nu et vous m'avez vêtu. Amen. J'étais malade et vous m'avez visité. Amen. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade et en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous l'ai dit en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Alléluia. 32. And behold, him shall be gathered all nations, and he shall separate them one from another, as a shepherd divide his sheep from the goats. And he shall set the sheep on his right hand, but the goat on the left. Then shall the king say unto them on his right hand, Come, ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. For I was as hungered, and you gave me meat. I was thirsty, and you gave me drink. I was a stranger, and you took me in. Naked, and you clothed me. I was sick, and you visited me. As you have done unto all of the least of my brethren, you have done it unto me. Amen. 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 N'oubliez pas de continuer jusqu'à 46. Don't forget to continue until 46. Je lis dans Matthieu 22, 34, 40. I'm reading in Matthew 22. Matthieu 22, 34 à 40. 34 to 40. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les sadducéens se rassemblèrent. Et l'un des docteurs de la loi lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Mm. C'est le premier et le plus grand commandement. Mm. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Amen. De ces deux commandements dépassent toute la loi et les prophètes. Amen. Amen. But when the Pharisees had heard that he had up the Sadducees to silence, they were gathered together. Then one of them, which was a lawyer, asked him a question, tempting him and saying, Master, which is the greatest commandment in the law? Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and great commandment. And the second is like unto it. Thou shalt love the neighbor as thyself. On these two commandments hang all the law and the prophets. Amen. 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 Vous asseoir. May be seated. Et Dieu ajoute des bénédictions. May God add blessings to the reading of His word. Amen. 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 Je vous remercie. I thank you. Pour la grâce de ce soir. For the grace of this evening. Nous continuons toujours sur les exhortations. We continue on our teachings. Et par la grâce de Dieu. And by God's grace. Pour nous fortifier dans notre confinement.
to strengthen us in this lockdown. N'oubliez pas de suivre l'audio que j'ai envoyé pour les songes que Dieu nous a visités Don't avec. Don't forget to listen to the audio which I sent about the dreams that God visited us with. Et je crois que Dieu est en train de suivre toutes choses. And I believe Amen. That God is following everything. Je voulais exhorter sur comment suivre Jésus et se diriger vers le ciel. How to follow Jesus and to direct yourself to heaven. Nous devons savoir comment marcher comme Jésus. Well, we have to know how to walk like Jesus. Parce que Jésus est venu du ciel, il devait retourner au ciel. Amen. Because Jesus came from heaven, he had to go back to heaven. Et il est venu du Père, il devait retourner au Père. Amen. He came from the Father, he had to go back to the Father. Et c'est le même chemin que nous devons prendre. And it's the same way we have to take. Et on doit vraiment se tenir. To the Father. Et c'est le même chemin que nous devons prendre. And it's the same way we have to take. Et on doit vraiment s'intéresser de la vie dont Jésus a menée. And we really have to be interested about the life Jesus. Et je crois que c'est la même vie que William Branham a menée. Parce que Jésus-Christ est aujourd'hui l'Hébreu 13 et 8. Jesus Christ today is Hebrews 13 et 8. Et l'Hébreu 13 et 8 s'est manifesté dans la vie de William Branham. Hebrews 13 et 8 today was manifested in Branham's life. Parce que ce qui comptait, c'est celui qui était à l'intérieur. Because what counted is what was in the Comment inside. Comment suivre Jésus? How to follow Jesus? Et se diriger vers le ciel. And to direct to heaven. Comment suivre Jésus? How to follow Jesus? Comment faire pour vivre comme lui? How to do to live like him? Et on a essayé de vérifier comment Jésus a vécu. And we tried to check how Jesus lived. Pour que le Père puisse lui faire confiance. So the Father could trust him. Et c'est la simple chose que chaque croyant doit voir. And it's the simple thing that each believer should Parce see. Que Jésus est parti au ciel. Because Jesus went to heaven. Il a eu un nom grand. He had a great name. Il était élevé au ciel à la droite du Père. He was raised in the right hand of the Father. Et si nous voulons aussi aller au ciel and if we also want to go to et heaven, être comme Jésus, to be like Jesus, on doit voir comment lui il a vécu. We have to see how he lived. Et c'est la simple chose à faire. And it's a simple thing to do. Et c'est ce que Caïn avait manqué. And that's what Cain lost. Dieu a exaucé le sacrifice d'Abel. That answered Abel's sacrifice. Le problème n'était pas de se débrouiller seul. The problem was not to manage on your own. C'est de voir comment Abel a fait. It's to see the way Abel did. Et si toi tu fais la même And chose, if you do the same thing, Dieu ne change pas. God won't change. Amen. S'il a agréé Abel, if he answered Abel, il va aussi vous agréer. Also Amen. Et c'est ce que nous devons voir ici. And that's what we have to see here. Comment faire pour vivre comme lui? What to do to live like him? Et on pouvait dire que Jésus a amené sa théophanie. We could say Jesus brought his theophany. Nous on a contourné la théophanie. We turned around our theophany. Mais tous les croyants aujourd'hui de la parole, and each believer today of the world que nos théophanies sont venues. Believes that our theophanies have come. Dans la nuée de gloire. Hallelujah. La parole est venue. The word came. C'est corps parole. The body word. C'est ce qui habitait dans Jésus. The one that was living in Jesus. Et Jésus avait dit. And Jesus said. Et je suis parti vous préparer une place. I want to prepare a place for you. Et il est parti préparer nos corps théophaniques. And he went to prepare our theophanic pour que là où je suis, so that where he au is, temps présent, in the present que nous on n'était pas, that we were not, vous y soyez aussi. Can also be. Que ici aujourd'hui. That here today, nous sommes là où Jésus était was, quand nous avons la totalité de la parole c'est pour que cette théophanie vive en nous aujourd'hui today, on ne peut plus encore parler de we ça can't speak about that. Parce que la parole totale total nos théophanies sont venues et avec cela and with that, nous devons voir comment Jésus a marché nous devons voir comment Jésus a vécu et il y a eu un enfant de l'école son maître disait il n'y a personne comme Jésus sur la terre. Yes, et parce qu'il comprend les choses comme Understand Jésus like et il aime comme and Jésus like et vraiment c'est cet homme là really pour montrer que dans ce temps to ici that in this time, ne parlait plus comme avant don't speak like before, que non on a contourné nos théophanies mais aujourd'hui today, à la venue de la nuit nous sommes love, dans une autre dispensation on a vu un homme comme We've nous like us, né comme nous like et us, a des erreurs comme nous like mais à un moment donné il est devenu comme Jésus. Amen. Pourquoi? Why? C'est là où nous voulons voir maintenant. That's what we have to see now. Comment faire pour marcher comme lui? What to do to walk like him? Pour être comme Jésus? To be like Jesus. Il faut avoir l'esprit qui était we en lui. The spirit that was in Jesus. Et si vous avez l'esprit qui And était en lui, the spirit that was in him, il peut chanter comme Jésus. You can sing like Jesus. Il peut marcher comme you Jésus. Can walk like il Jesus. Peut aimer comme you Jésus. Can love like il peut Jesus. Parler comme Jésus. Speak si like simplement son esprit If est en vous, il vivra comme you Jésus. Will live like Jesus. Amen. Amen, Église. Amen. Voilà comment nous devons comprendre ces choses. That's how
now we have to understand this. Et nous avons compris que avec le péché de l'humanité, Frère Branham a dit, il y a eu un voile du péché, sin, parce que le péché a commencé au ciel, et ce voile est descendu sur la terre, et ce voile a couvert la terre, et on est devenu esclaves du péché, et le diable nous a liés. Mais ce jour-là au calvaire, quand Jésus a donné sa vie, quand il a donné sa vie, quand il a payé le prix, le voile du temple se déchira. Ce voile se déchira. Parce que le voile du péché, le voile noir qui a couvert la terre, nous a empêchés de voir la gloire de Shekinah. Nous a empêchés d'aller vers le Saint des Saints. Mais par la mort de la croix, ce jour-là au calvaire, nous a apporté la solution. C'est pourquoi le voile du temple s'est déchiré. C'était le voile noir du péché qui nous séparait de la gloire de Shekinah, qui nous séparait du Saint-Esprit. C'est pourquoi ce jour-là au calvaire, a libéré le Saint-Esprit. A libéré le Saint-Esprit. A libéré la vie Zoé de Dieu. A libéré l'amour de Dieu. A libéré le caractère de Dieu. A libéré la divinité de Dieu. Pour que nous puissions marcher comme Jésus. Le voile est déjà déchiré. Pour qu'on entre dans le Saint des Saints. Pour vivre comme Jésus. Quand vous voyez la gloire de Shekinah, il ne reste pas le même. Parce qu'il y a un commandement. Ceux qui restaient en dehors du voile, c'est la mort aujourd'hui. Yeah. Il faut aller là où il y a le Saint-Esprit. Au-delà du voile, pour être comme Jésus. Like au-delà du voile, tu vivras comme Jésus. Like au-delà du voile, tu marcheras comme Jésus. Like au-delà du voile, tu parleras comme Jésus. Like c'est ce qui est aujourd'hui. Aujourd'hui, l'épouse vit dans les. Like voilà ce que le calvaire nous a donné. Le calvaire nous a donné cela. Ce jour, le calvaire nous a donné cela. Gave us that. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, nous sommes dans le confinement, in the lockdown, dans des problèmes, dans l'état où nous sommes. Chacun puisse y voir. Chacun puisse y voir. Parce que comment suivre Jésus et se diriger vers le ciel? Nous devons être comme lui. Pour être comme lui et son esprit, c'est ça le souci que nous devons avoir. Pour être comme Jésus, il faut seulement avoir son esprit. C'est ce qu'il faut. Et c'est ce qui a été pour ceux qui étaient dans la chambre haute. C'est ce que le calvaire nous a donné. Frère Branham me parle ici. Frère Branham me dit ici, dans les serpents écrasés, dans les serpents écrasés, Apocalypse chapitre 5, première partie. Revelation chapter 5, first part. Serpent écrasé. Stricken serpent. Paragraphe 16. Paragraph 16. Frère Branham dit. Et j'ai dit, de toute façon, durant toutes ces années, during all these years, environ 31 ans about 31 years de ministère maintenant, of ministry now, j'ai gardé mon cœur prêt I kept my heart ready pour cette heure for this time, où il viendra. Where he's leaving. Ainsi, le moment où il viendra importe peu. The moment he will come is little. Parce qu'il est prêt pour because ça. Because he's ready for that. Alors il a dit. Then he said. C'est vrai. It's true. Frère Branham causait avec quelqu'un. Frère Branham was speaking to someone. Et j'ai dit. And I said. Ma plus grande joie. My greatest joy. C'est de vivre pour les autres. Amen. Et il a dit. And he said. C'est ça la vie. That's the life. C'est ce qui rend la vie réelle. That's what makes life real. Vivre pour les autres. To live for others. C'est ça la vie. That's the life. La vie, c'est les Zoé. Yes, les Zoé, c'est Dieu. Les Zoé, c'est le Saint-Esprit. C'est-à-dire que la vie, c'est le Saint-Esprit. Amen. Alors, si il a dit que vivre pour les autres, c'est ça la vie, alors Jésus avait la vie. Et quelle était sa vie? Qu'est-ce qu'il a mené? Comment on doit le suivre? Comment on doit être comme lui? Il like faut him? Avoir la vie. Et avoir la vie, life, c'est vivre pour les autres. Ah. Yeah, et c'est ce qui se passe. What et happened? Il dit, and he said, c'est ça la vie. That's life. C'est ce qui rend la vie réelle. That's what makes life real. Quand tu as la vie, when you have life, pour que la vie soit réelle, life to be real, c'est quand tu vis pour les autres. Yes, sir. C'est cela. Amen. That's it. Qui n'a jamais essayé de vivre pour quelqu'un d'autre? Who has never tried to live for someone else? Non, 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 écoutez ici. No, listen here. C'est la vie. It's life. C'est ce qui rend la vie réelle. C'est la vie. It's life. C'est ce qui rend la vie réelle. That's what makes life real. C'est quand? It's when? Vous. You? Non pas ce que vous pouvez faire ou accomplir pour vous-même. Not only what you can
can do and accomplish for yourself. Mais plutôt ce que vous pouvez faire pour les autres. But what you can do for others. Vous voyez? You see? C'est à ce moment-là que vous vivez vraiment. Really. Car celui qui a la vie, when the one who has pas life, la vie de ce monde, not the life of this pas world, la vie de l'argent, not the life of money, on dit que c'est la vie. They say it's life. Pas la vie de manger, on dit not que c'est la vie. Eating, they say pas it's la vie life. De vécu, on not dit que c'est la vie. Cars, they say it's pas life. La vie de gagner tout ici sur la terre. Not the life of mais la vie du Saint-Esprit, c'est cette vie que nous parlons ici. Et pour comprendre que tu as vraiment cette vie-là, c'est quand tu vis pour les autres. Les signes que vous avez la vie Zoé, c'est quand tu vis pour les autres. Et si par hasard, il y a parmi nous quelqu'un qui n'a jamais fait cela, qui n'a jamais essayé de vivre pour quelqu'un d'autre, essayez une fois de le faire. Et voyez combien plus la vie vous est, combien plus la vie vous réserve. And yes. See how much life has quand vous vivez non pas en vie de tirer pour vous-même when you're only living life for yourself, quelque chose de la vie something of life, mais plutôt pour donner à quelqu'un d'autre but to give someone else, quelque chose dans la vie something in life, et vous trouverez que and you'll see c'est that une bénédiction plus grande une bénédiction plus grande it's a greater blessing. Plus que des richesses more than wealth, ou quoi que ce soit d'autre. Amen. Amen. Vivre pour les autres. Living for others, c'est ça vraiment la vie. It's the real life. C'est ça vraiment le Saint-Esprit. C'est ça le signe du Saint-Esprit. Pour montrer que l'égoïsme n'est pas le signe du Saint-Esprit. Mais quand vous mourrez pour les autres, someone, quand vous vivez pour les autres, others, c'est ça vraiment le signe du Saint-Esprit. Et à quoi puis-je penser? C'est ce que vous pouvez faire pour quelqu'un d'autre. Pour rendre le fardeau de la vie. C'est-à-dire dégager le fardeau de la vie. C'est quand vous vivez pour quelqu'un d'autre. Et là, vous vous dégagez même le fardeau de la vie. Enfin, la vie en soi, c'est un fardeau. Voilà. Yeah. Et ça rendra celui-ci plus léger and pour quelqu'un d'autre. Vous ne connaissez vraiment pas la joie really don't know joy. Tant que vous n'avez pas encore essayé cela une fois. Once you never tried that, donc quelqu'un qui se réjouit en Dieu, c'est in quand God, toute ta vie when your entire life doit aimer les autres. Has to love others. C'est là où vous avez la joie. That's when you have the joy. La joie du salut. The joy of salvation. Faire que se voit, il devra revoir les chemins parcourus. And when they have to check the life et voir ce qui a été accompli. And see what had been accomplished. Voir ce qui s'est passé. See what happened. As-tu accompli quelque chose? Have you accomplished something? Et comme je viens de le dire, as I just said, c'est ce que vous faites that's pour what you les do autres. For amen. C'est ce que vous faites that's pour les autres. Alléluia. C'est ce qui compte. That's what counts. Et quand vous réfléchissez pour and ta vie, life, à la fin de ta route, road, même à l'hôpital, Abraham me touche ici, les her, choses que vous allez réfléchir, about, c'est les choses que tu as accomplies pour les autres. Est-ce que tu as fait beaucoup de bien pour les gens? Have you done a lot of good for people? Ne regardez pas les maisons que tu as, don't look at the houses l'argent you have, que vous avez, the money les véhicules que vous avez, la réputation que vous avez, les voyages que vous avez fait en Europe, ou un grand nom, mais les biens que tu as fait pour les autres, c'est ce qu'un enfant de Dieu a compris. Parce que c'est ça la vie. C'est ça la vie. C'est-à-dire la vie est cachée en faisant du bien aux gens, en souffrant même pour les gens, en perdant même pour les gens. Et si ton cœur ne supporte pas ça, et vous voulez toujours d'abord vous, la vie Zoé, d'abord les autres, et toi après, c'est la vie que Jésus a menée. C'est la vie que Jésus a menée. Il n'a jamais réclamé ses intérêts. Alors Jésus avait la vie. C'est ça la vie. Et Frère Branham me dit ici, quand vous pensez à la vie que tu as menée, qu'est-ce que vous allez penser? Qu'est-ce que vous allez compter? Si seulement only, tu vivais pour les autres. For et c'est ce que vous devez compter. Count souvent, on. Je me demande. Most of the time I ask myself, c'est ce que ça sera quand j'arriverai au bout du chemin. That's what it will be when I'll be there en fait, my on ne sait pas quand. We don't know when. Personne d'autre nous le sait. No one else knows. Je pensais donc revoir les chemins parcourus. I was thinking of rechecking the, tout au long de ma vie. All along my life. Et considérer là. And considering les différentes collines, the different hills, les endroits couverts de ronces, place covered with ronces, les épines, thorns, les rocs, rocks, les pierres,
Les endroits difficiles. Difficult places. Et les endroits praticables. And practical places. Et ce que j'ai fait dans les circonstances what, de ces gens-là. And what I've done in those circumstances. Tout cela sera manifeste un de ces jours. All that will be manifested à l'heure de mon départ. At the time of my il en sera ainsi pour chacun de nous. For every one of us. Nous serons we will be tous all sur cela. In that. Que cela sera manifeste pour chacun for quand ce moment-là sera le bien que tu as fait pour les gens, la vie que tu as menée pour les autres. Mes frères et sœurs, je sais que c'est la chose la plus difficile, mais c'est la vérité. Amen. C'est ce que Frère Branham a vécu. That's what Brother Branham lived. Comment marcher comme Jésus? How to walk like Jesus. Et aller sur le même chemin and que lui. On the same path as qu'est-ce qu'il a été? What did he... Il y a quelque chose qui était en Jésus. Amen. C'était le Saint-Esprit. Amen. Et c'est pourquoi il a dit, prends ta croix, viens sur moi. Et pour prendre la croix, cross, il faut que l'Esprit qui était en lui, qui a fait qu'il prenne sa croix, revienne sur vous. Et toi aussi, tu prendras ta croix. Sinon, tu ne le feras jamais. Sinon, tu ne le feras jamais. Mes frères et sœurs, c'est quelque chose qui fait très mal. Something that really hurts. Mais c'est la vérité. But it's the truth. Amen. Je vous dis la vérité, I'm mes frères. You the truth, my brothers. Comment suivre Jésus? How to follow Jesus. Et se diriger vers le ciel. And to lead towards heaven. Parce que Jésus se dirigeait vers because le ciel. Jesus was leading il marchait vers le chemin du ciel. He was walking on the way to heaven. Et qu'est-ce qu'il faisait? And what was he doing? Et il est parti au ciel. And he went to heaven. Il a eu un grand nom au ciel. He had a big name in heaven. Qu'est-ce qu'il a mené sur la terre comme what une vie? Did he live on earth as a essayons life? De checker la vie de Jésus. Let's try to check the life of et Jesus. Essayer de voir aussi la vie de Frère Branham. And see the life of Brother Branham. Parce que le même esprit because qui était dans Jésus. Jesus est revenu sur Frère Branham. Et ce qui revient sur chacun de nous, et pour les connaître, Frère Branham me dit ici, ce jour-là au calvaire, paragraphe 84. Alors, then, qu'est-ce que cela a pour conséquence? What does that have as a consequence? Cela vous donne, après avoir rempli cette condition, that gives you after filling this condition, son esprit, his spirit, pour pouvoir le suivre, to follow it, et faire comme lui a fait and to do as he did, pour les autres for others, qui vont suivre. That will follow. Il n'était qu'un seul homme. It was only one man. L'homme parfait. A perfect man. Il a donné sa vie à lui. He gave his life for him. Il vous a donné un exemple. He gave an example. Maintenant, now, qu'est-ce que nous devons faire? What do we have to do? Il avait un esprit en lui he had a spirit in him. Qui lui a poussé de donner that sa vie pour le bien des autres, d'accepter de mourir pour le bien des autres. C'est pourquoi il a dit said, que le deuxième commandement, c'est aimer ton prochain comme toi-même. Like et ça, rien ne dépasse. And nothing else is more. Christ l'a fait. Christ did it. Donner sa vie. Giving his life. C'est d'ailleurs même dépasser d'aimer le prochain comme lui-même. It's more than loving your neighbor parce than que personne n'aime. Mais Jésus est allé plus loin que but ça. Jesus went further il than a that. Détruit son he corps parce qu'il aime son prochain. He loved his neighbor. Ce sont des choses difficiles. It's a difficult thing. Mais il est dit ici, here, il nous a donné un exemple. He gave us an example. Le ciel de Jésus. The heaven of Jesus, voilà le chemin. That's the way. Vraiment. Voilà le chemin, mes frères that's et sœurs. The way, brothers and sisters. Il dit qu'il vous a maintenant. He says now. Qu'est-ce que nous devons faire? What do we have to do? Parce qu'il nous a donné un exemple. Because he gave us an example. Bon. Well, la première chose que je vais dire, the first thing I'll say, c'est que Jésus n'a jamais vécu pour lui-même. That Jesus amen. Never lived for himself. Voilà le chemin. That's the way. Voilà l'esprit qui était that's dans Jésus okay. Et nous devons avoir. That we have to have. Mes frères et sœurs, my brothers and nous sisters, sommes au temps de prière. We're in the time of prayer. Si vous sentez que ça ne concorde pas, right, priez pray. Pour avoir le même esprit. Amen. Le sacrifice the pour la vie des autres. On the life of pas détruire ton not frère, destroying your brother, mais c'est toi qui you dois mourir pour ton frère. Die for your c'est l'exemple it's de Jésus. Et nous avons vu un homme and we've seen a man aujourd'hui today, comme nous like us, qui a vécu comme Jésus. Amen. Like Amen. Vous voyez, you see? Jamais vécu pour lui-même.
Never live for sa vie a été consacrée aux autres. His life was consecrated to others. C'est parfaitement sa vie éternelle. Perfectly his eternal life. Amen. 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 Sa vie a été consacrée pour les autres. His life was consecrated for parfaitement. Others. Perfectly. C'est ça la vie éternelle. That's eternal life. Nous cherchons la vie éternelle. We're looking for eternal life. Par la prière. By prayer. Par les jeûnes. By the fasting. Des fois avec des dîmes et des offrandes. Sometimes we tithe and offer. Mais on n'accepte pas de souffrir pour un frère. Amen. Souffrir pour une sœur, même s'il m'a fait du mal que je connais. Ça, c'est la chose que nous ne faisons pas. Alors que Frère Branham me dit ici, je crois que vous croyez Frère Branham. Je crois que vous l'aimez. Frère Branham me dit que c'est ça même la vie éternelle. Oh, la vie éternelle que nous cherchons, ce n'est pas seulement les dîmes, ce n'est pas seulement les offrandes, ce n'est pas seulement aller à l'église, ce n'est pas seulement chanter pour Dieu, ce n'est pas seulement taper les mains à l'église, ce n'est pas seulement de dire amen, mais vivez pour ton frère. C'est la clé. C'est ça l'esprit de Dieu. C'est ça l'amour de Dieu. Parce que Jésus nous a aimés. Personne n'a aimé comme lui. Pourquoi l'amour agapao est différent de l'amour philéo? Parce que l'amour agapao aime celui qui ne l'aime pas. Aime celui qui te tuera. Aime celui qui te critique. Aime celui qui te haït. Celui qui ne veut pas ton bien. Celui qui te critique. C'est ça la définition de l'amour agapao. L'amour agapao, c'est aimer celui qui te tuerait. Celui que tu as écouté, qui t'a critiqué, qui ne t'aime pas. Mais toi, tu l'aimes. C'est ça, Jésus. That's Jesus. Le corps Jésus, the body Jesus, c'était l'amour divin emballé dans une chair humaine. Covered in a human flesh. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand on amena cette femme en flagrant délit d'adultère, avec des pierres pour la lapider, ils sont venus devant Jésus. Ils croyaient que c'était un homme, mais ils étaient venus devant l'amour agapao. Et l'amour agapao ne tue jamais, ne détruit jamais, ne tue jamais, pardonne même les péchés les plus profonds, même les péchés que l'humanité n'aimera pas. Mais l'agapao aimera. L'agapao aime les faibles. Aime les pécheurs, aime les faibles. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui n'a pas le péché commence à jeter la pierre. Et quand ils sont partis, il a regardé la femme. Ce n'était pas un homme, c'est l'amour qui regardait. Celui qui a écrit sur la terre, ce n'était pas un homme, c'est l'amour qui a écrit. Et il a dit à la femme, moi aussi, je ne te ferai pas du mal. Parce que c'était l'amour. Jésus-Christ, c'est une portion d'amour qui a marché sur la terre. Personne ne pouvait aimer comme lui. Amen. Et celui qui aime est de Dieu. Est de Dieu. Voilà la différence entre l'amour agapao et l'amour filéo. Jésus-Christ était l'amour agapao. Vous voyez, mes frères, c'est parfaitement ça la vie éternelle. Quand vous dites que vous allez à l'église et que vous faites de bonnes actions, and you do good actions, c'est bien. It's good. Mais quand vous avez votre vie, but when you have your life, quand vous vivez votre vie when you're living your life, pour vous-même, for yourself, quand vous vivez votre vie pour when vous-même, you're living your life for yourself, vous n'avez pas la vie éternelle. You don't have eternal. Même amen. Si vous partez à l'église, you go to church, même si nous prêchons des prédications, mais quand tu vis ta vie pour vous-même, when you're living your life for tu yourself, n'as pas la vie éternelle. You don't have eternal life. Mes frères et sœurs, ce que je vais vous dire aujourd'hui, today, la vie éternelle, ce n'est pas ce que nous pensons. Not what we think. Regardons la vie de Christ. Let's look at the qu'est-ce qu'il a mené? Qu'est-ce qu'il a vécu devant ses ennemis? Devant ceux qui l'ont critiqué? Devant ceux qui l'ont injurié? Si on a compris la vie de Jésus et qu'aujourd'hui nous puissions le vivre, l'enlèvement aura lieu. La terre ne peut pas nous contenir. Au nom de Dieu, il vivait. Il avait la vie éternelle. He had eternal life. Parce qu'il ne vivait pas pour lui-même. For himself. Il vivait pour les autres. He was living for others. Et vous recevrez la vie éternelle en recevant ce jour-là. By receiving that day. Ce jour-là au calvaire. That day in Calvary. Et vous recevrez la vie éternelle. Receive eternal life. Parce que la vie éternelle était cachée en Christ. Was hidden in Christ. Et ce jour au calvaire that day in Calvary nous a libéré la vie éternelle. Gave us eternal life.
Et si vous croyez à cela, if you believe in that, alors vous aurez la vie éternelle. Then you will have eternal life. Il vivait pour les autres. He was living for others. Vous recevrez la vie éternelle. Receive eternal life. En recevant ce jour-là. By receiving that day. Alors vous ne vivez plus pour vous-même. Then you won't live for yourself vous anymore. Vivez pour les autres. But you live for others. Si tu as la vie que Christ avait, if you have the life that Christ il vivra had, pour les autres. You live for others. C'est la simple preuve. That's a simple proof. Mes frères et sœurs, c'est la vérité. Sisters, quelqu'un disait, someone has comment said, pouvez-vous laisser les gens how can you leave people vous traiter de tous les noms to treat you with every name? Comment ça? How that? Vous ne vivez pas pour vous-même. You're not living for yourself. Vous vivez pour les autres. You're living for others. Pour pouvoir racheter cet homme-là. Yeah. Quand vous les laissez te critiquer, you're leaving them to criticize quand vous les laissez te haïr, mais vous vous l'aimez you, toujours, and you still love vous voulez them. Gagner sa you vie. To vous voulez les gagner au Seigneur. You're to gain them to Christ. Pour les gagner, to gain them, quand vous vous laissez qu'on te critique, quand vous vous laissez qu'on parle mal de vous, peu importe tout le mal que les gens peuvent vous dire, quand vous laissez, tu te sacrifies. Tu deviens un sacrifice. Tu deviens un agneau de sacrifice. Parce qu'un agneau perd ses droits. Il a donné sa laine. Ses poils, il a donné sa laine. Il a donné sa laine, ses poils. Yeah, his skin. Et pour la vie des autres. For the life of others. Et on l'a pris ça. And they took it. Il n'a pas réclamé. He didn't reclaim. C'est pour montrer que it's to show that quand tu fais du bien aux autres, do good to others, ne parlez pas. Don't speak. Amen. Ne parlez pas. Don't speak. J'ai aidé celui-là. I help j'ai aidé one. Celui-là. I help that tu as ta récompense. Parce que tu te glorifies. L'agneau ne se glorifie pas. L'agneau donne sa laine. Il ferme la bouche. Les gens font les habits. People do clothes. Ça les aide. L'agneau ne parle pas. C'est l'agneau du sacrifice. Les vrais enfants de Dieu, ce sont des sacrifices. Même quand on te critique, même quand on t'injurie, je comprends bien mes bien-aimés. Nous ne supportons pas ça parce qu'on n'a pas le Saint-Esprit. Parce que la vie qui était en Jésus, pour supporter ces choses, c'était le Saint-Esprit. Par manque du Saint-Esprit, et nous revendiquons nos droits. Si on peut être humble, prions que Dieu nous baptise du Saint-Esprit. Parce qu'on ne sait pas demain ou le lendemain, vous vous sacrifiez pour, les, pour gagner les autres. Vous voyez, vous vivez pour les autres, pour pouvoir les racheter cet homme-là. Vous devenez le fils. Et le problème, c'est que l'Église a oublié qu'ils sont des fils. Vous êtes un fils. Vous prenez la place de Christ. Vous êtes un fils. Alors ne vivez pas pour vous-même. Vivez pour les autres. Eh bien, frère Branham, je peux vivre pour ce frère-ci. Parce que c'est un homme vraiment sépanti. C'est parti un bon homme. Ce n'est pas ça. That's not it. Ne vivez pas bien avec un frère parce qu'il est bien. Mais la vie éternelle, c'est de vivre bien pour un frère qui n'est pas bien. Qui attend qu'il ne t'aime pas. Qui attend qu'il te critique. Qui attend qu'il te haït. Et toi, tu vis bien pour lui. Et l'esprit là, qui t'amène à aimer ses frères, à vivre bien pour lui, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. La vie éternelle n'aime pas celui qui t'aime. Ne salue pas celui qui te salue. Mais la vie éternelle salue celui qui ne te salue pas. Aime celui qui ne t'aime pas. Voilà le contraire. On a mal pensé. On a mal pensé. Si nous venons à l'église, church, c'est pour avoir la vie qui était en Christ et devenir des fils et devenir de Jésus. Parce que Jésus est mort pour les produits de Jésus. Au temps d'Apocalypse 10, des Jésus seront reproduits et ils vivront comme celui-là. Nous partons à l'église, mon frère, pour aimer celui qui te critique. C'est le but que nous partons là-bas. Mais si on n'arrive pas, l'église n'a rien produit. Correct. Eh bien, frère Branham, vous voyez, see, vivez pour l'homme qui vous haït. For the man that hates you. Vivez pour la personne qui vous tuerait. The person that will kill si you. Elle le pouvait. If they could. C'est ce qu'ils lui ont fait. That's what they did. Ils l'ont tué. They killed him. Et il est mort. And he died. Pour pouvoir les sauver. To save them. C'est là qu'ils l'ont tué. Those that killed him. C'est la vie éternelle it's qui est en Jésus. C'est cela, la vie éternelle. That's
C'est ça que vous avez dans votre cœur. Pas autre chose. Not other things. Et si c'est la vie qui est dans ton cœur, il te soucierait pour ton ennemi. Il priera pour lui. Il parlera le bien de lui. Tu comprendras que s'il fait ça, il n'est pas encore sauvé. Mais par tes prières, Dieu peut le sauver. Ton ennemi n'est pas ton ennemi. Si tu as le Saint-Esprit, ton ennemi est pitié de lui. C'est pourquoi Jésus à la croix, ceux qui l'ont mis là, ceux qui l'ont percé, comme il avait la vie éternelle, la vie éternelle a dit, Père, pardonne-le. C'est pour montrer que son ennemi n'était pas son ennemi. C'est ça que vous devez faire. Alors, vous vous dirigez vers le ciel. Si tu as cela en vous, c'est là que vous vous dirigez vers le ciel. Mais vous vous sacrifiez les choses qui vous appartiennent. Vous les abandonnez. Comme le mouton donne sa laine. Vous regardez plus loin en direction du calvaire. J'espère que ceci vous aide à vous positionner. C'est ça que le tabernacle, c'est ça que tous les gens doivent faire. Il faut trouver ce que vous êtes. Et quel est le bouc? L'église. Il ne s'agit pas d'aller à l'église. Rien que vous jouez de la musique. Et chanter des cantiques. L'église, c'est un lieu de correction. Le jugement commence dans la maison de Dieu. Nous devons nous regarder comme morts en toutes les choses de ce monde, aux habits du monde, l'argent du monde. On doit mourir dans ça, de ne pas voir l'importance, mais voir ton frère plus important, voir ta sœur plus important. C'est ça la vie. La vie n'est pas l'argent. La vie n'est pas les choses de ce monde. La vie, c'est l'amour. C'est pourquoi Paul avait dit. Même si vous vous sacrifiez à mort, si tu n'as pas la charité, tu n'es rien. Même si vous livrez ton fils, vous le brûlez en sacrifice, si tu n'as pas l'amour, même si vous parlez en langue, tu n'es rien. Quel est cet amour-là? C'est l'agapao. L'agapao aime celui qui lui a fait du mal. C'est la chose la plus difficile dans la nature humaine. Et c'est là où il y a Dieu. Dieu, c'est l'amour agapao. Voilà mes frères. Nous devons nous regarder comme morts et comme vivants rien que pour Christ. Alors il a prouvé du moyen pour que nous puissions nous sacrifier nous-mêmes pour son service, pour le suivre. Si nous le suivons, nous vivons la vie que lui l'a vécu. C'est merveilleux. Si nous le suivons, nous vivons la vie que lui l'a vécu. C'est merveilleux. Jésus a dit, il en a parlé. Je vais vous donner quelques citations là-dessus. Écoutez bien. Ne manquez pas ceci. Écoutez bien. Ne manquez pas ceci. Jésus a dit que les jours-là, il séparait les gens. Comme les brebis d'avec le bouc. Et qu'il dirait au bouc, mettez-vous à gauche. Et aux brebis, mettez-vous à droite. Et il dit au bouc, retire-vous de moi. Car j'ai eu faim. Et vous ne m'avez pas donné à manger. J'étais en prison. Et vous ne m'avez pas visité. J'étais nu. Et vous ne m'avez pas vêtu. J'ai eu soif. Et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais malade. Et vous ne m'avez pas visité. Alors retirez-vous de moi. Et au brebis qui est au brebis, il a dit, j'ai eu faim. Et vous m'avez donné à manger. J'étais nu. Et vous m'avez donné le vêtement. J'étais malade. Et vous m'avez assisté. Et remarquez, ne manquez pas de saisir ceci. Église, regardez ceci dans votre cœur. Pour toujours. C'était fait de façon tellement inconsciente. Les gens ne le font pas par devoir. On ne les force pas. Parce que si vous forcez, vous allez toujours se souvenir du bien que Dieu a fait. Mais si c'est automatique, c'est la vie de chaque jour. Automatique, c'est votre vie. Qui aidera toujours. Et tu ne te souviendras pas. Le jour où la personne te fera du mal, tu ne te souviendras plus jamais. Voilà pourquoi.
un homme qui vous donne quelque chose, gives you something, parce que c'est ce qu'il doit faire. That's what they have to do. Un homme qui vous donne à manger, a man that's giving you food, parce que c'est ce qu'il doit faire. Because that's what he has to do. Il a une conception égoïste. Ça devrait être votre vie même. It has to be your life. Votre initiative même. Initial life. Ces brebis-là, ça les a tellement étonnés qu'elles ont dit, Seigneur, qu'as-tu eu faim? When were you hungry? Et que nous avons voulu te donner à manger. And we gave you food. Qu'as-tu faim? When were you hungry? Et t'avons-nous donné à manger. And we gave you food. Quand étais-tu nu? When were you naked? Et t'avons-nous donné les vêtements. And we gave you clothes. Qu'as-tu eu soif? When were you thirsty? Et t'avons-nous donné à boire. And we gave you water. Quand étais-tu malade? When were you sick? Et t'avons-nous assisté. And we came to assist c'était, you. C'était le fait tellement automatiquement, automatically, par l'amour. By love. Amen. C'était tout simplement ta vie qui their vivait life, en eux. Oh Dieu, oh God, permet que les gens voient ce que le calvaire a fait pour nous tellement automatiquement. Amen. 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 Voilà mes frères. See, brothers and sisters. Quelqu'un peut continuer à lire dans la brochure ici. Someone can keep reading in this book. Ces jours-là au calvaire. The day on Calvary. Parce que je m'arrête ici en 96. Stopping here in 96. Ça peut continuer jusqu'à 115. Can continue until 115. Je devais que m'arrêter ici. I just have to stop here. Parce qu'on n'a pas trop du temps. Because we don't have that much time. C'est que je voulais dire. But I wanted to say, la vie éternelle. The eternal life, parce que nous partons à l'église. Because we go to church, pour avoir la vie éternelle. To have eternal life. Mais on a trop du mal à but comprendre. We have a lot. Not la vie éternelle. Eternal life. Et selon les Écritures, and according to the la scriptures, vie éternelle, eternal life, ce n'est pas seulement aller à l'église. It's not only going to ce n'est pas seulement chanter à l'église. It's not only singing at ce n'est pas seulement taper les mains. It's not only ce n'est pas seulement dire amen à la parole. Payer les dîmes et les offrandes. Toutes ces choses-là, c'est bien. S'habiller très bien. Well. Et aller propre à l'église. Clean to church, on peut faire tout ce qu'on peut faire. Mais ici, selon les Écritures, la vie Zoé de Dieu, quand cela est en vous, qui te souciera pour les autres. Qui vivra pour les autres. Voilà ce que fait Mme Madi. Que je vais réfléchir au jour de ma mort, vraiment, près de traverser le Jourdain. Oh, si je peux regarder derrière mon dos, quels sont les biens que j'ai fait aux autres? Quels sont les biens que j'ai fait aux autres? Et je les vivais toujours facilement. Et l'amour agapao, c'est cet amour que Paul parlait là-bas dans Corinthiens. Que si tu n'as pas la charité, tu n'es rien. Quel genre d'amour? C'est l'amour qui aime celui qui ne t'aime pas. Voilà Sion tabernacle. L'enlèvement peut nous surprendre. Est-ce que tu penses à ça? La mort peut nous surprendre. Est-ce que vous pensez à ça? Le chemin de retour. The way of return. Comment suivre Jésus? How to follow Jesus? Comment vivre comme Jésus? How to live like Jesus? Si tu n'as pas l'esprit qui était en lui. If you don't have the spirit that was comment in chanter him? Comme Jésus? How to sing like si Jesus? Tu n'as pas l'esprit qui if était you, en lui. You didn't have the spirit je chanterai comme Jésus. I'll sing like Jesus. Si seulement si son esprit Alleluia, habite en moi, lives in me, je chanterai comme I'll Jésus. Sing like Jesus. Je marcherai comme Jésus. I'll walk like Jesus. Si seulement son esprit spirit, habitera en moi, lives je marcherai comme Jésus. I'll walk like Jesus. Et le calvaire nous a donné son esprit. Given us his spirit. Son esprit, his spirit, c'est l'amour agapao. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 L'Éternel Tout-Puissant, Almighty God, nous venons encore une fois once come again, avec ces mots, Seigneur, with these words, oh God, qui troublent mon cœur. That are troubling my heart. Nous, étant humains, we've been human, comment on y arrivera? How will we reach? Si le ciel ne s'ouvre if pas pour nous aider. Not open to help us. Descends, ô Père bien-aimé. Send, oh God. Tu es déjà descendu. You have already Amen. Descended. Le ciel est sur la terre. The heaven is on the comme earth, l'enfer est sur la terre. Heaven is on the earth. Nous voici, Seigneur. Here we are, God. En écoutant ces choses troublées, troubled, nos cœurs. Our heart. Que ferons-nous? What can we do? Venez en aide à Sion. Aidez-nous à Sion. Help us in Zion. Tu nous as réprimandé dans les songes. You've yelled at us in the dream. Pour que nous puissions changer. Mm. So we can change. Que l'amour soit au milieu de nous. Let the love be among us. Qu'est-ce que la vie éternelle? What is eternal life? Et nous cherchons la vie éternelle pour aller au and ciel. We're looking for eternal life to go to heaven. Mais de quelle manière? But in which way? Tu nous as parlé. You've spoken to us. Aide tout le monde à comprendre. Help everyone to understand. Pour comprendre ces choses, to understand this thing, c'est pas facile. It's not easy. Si toi tu n'entres pas en scène, you don't enter in the scene. J'ai pris pour Sion tabernacle, pray for Zion tabernacle. Que l'esprit qui était dans that Jésus, the spirit that was in Jesus revienne à Sion. Amen. Alors on marchera comme Jésus. Then we spoke like c'est ça ma prière.
Dans ce temps de confinement, nous avons besoin de l'Esprit qui était dans Jésus. Et c'est ce qui va nous enlever. Que tu puisses les bénir par puissance. Et assiste-nous ici, au nom de Jésus. Amen. Quels sont les biens que j'ai fait aux autres? Et je les vivais toujours facilement. Et l'amour agapao, c'est cet amour que Paul parlait là-bas dans Corinthiens. Que si tu n'as pas la charité, tu n'es rien. Quel genre d'amour? C'est l'amour qui aime celui qui ne t'aime pas. Voilà Sion Tabernacle. L'enlèvement peut nous surprendre. Est-ce que tu penses à ça? La mort peut nous surprendre. Est-ce que vous pensez à ça? Le chemin de retour. The way of return. Comment suivre Jésus? How to follow Jesus? Comment vivre comme Jésus? How to live like Jesus? Si tu n'as pas l'esprit qui était en lui. If you don't have the spirit that was comment in chanter him? Comme Jésus? How to sing like si Jesus? Tu n'as pas l'esprit qui If était en lui. You didn't have the spirit je chanterai him. Comme Jésus. I'll sing like Jesus. Si seulement si son esprit Alleluia, habite en moi, lives in me, je chanterai comme I'll Jésus. Sing like Jesus. Je marcherai comme Jésus. I'll walk like Jesus. Si seulement son esprit habitera en moi, Amen. Je marcherai comme Jésus. I'll walk like Jesus. Et le calvaire nous a donné son esprit. Son esprit, c'est l'amour agapao. Et Dieu vous bénisse. Amen. Amen. L'Éternel Tout-Puissant, Almighty God, nous venons encore une fois once come again, avec ces mots, Seigneur, with these words, oh God, qui troublent mon cœur. Nous, étant humains, we've been human, comment on y arrivera how will we reach, si le ciel ne s'ouvre pas pour nous aider? Descends, ô Père bien-aimé. Descend, oh God. Tu es déjà descendu. You have already Amen. Descended. Le ciel est sur la terre. The heaven is on the comme earth, l'enfer est sur la terre. As heaven is on the earth. Nous voici, Seigneur. Here we are, God. En écoutant ces choses troublées, troubled, nos cœurs, our heart. Que ferons-nous? What can we do? Venez en aide à Sion. Come Amen. Help us in Zion. Aidez-nous à Sion. Help us in Zion. Tu nous as réprimandés dans les songes. You've yelled at us in the dream. Pour que nous puissions changer. Mm. So we can change. Que l'amour soit au milieu de nous. Amen. Qu'est-ce que la vie éternelle? What is eternal life? Et nous cherchons la vie éternelle pour aller au And ciel. We're looking for eternal life to go to heaven. Mais de quelle manière? But in which way? Tu nous as parlé. You've spoken to us. Aide tout le monde à comprendre. Help everyone to understand. Pour comprendre ces choses, to understand this thing, c'est pas facile. It's not easy. Si toi tu n'entres pas en scène, If you don't enter in the scene, j'ai pris pour Sion Tabernacle, pray for Zion Tabernacle que l'esprit qui était dans Jésus, the spirit that was in Jesus, revienne à Sion. Amen. Alors on marchera comme Jésus. And we spoke like, c'est ça ma prière. Dans ce temps de confinement, nous lockdown, avons besoin de l'Esprit Amen. Qui était dans Jésus. Amen. Et c'est ce qui va nous enlever. Amen. Que tu puisses les bénir par puissance. Et assiste-nous ici, assist au nom de Jésus. The name of Jesus Amen. Amen. Amen.